Bonsoir tout le monde et bienvenue. Merci d'être là, fidèle au rendez-vous, même si ça fait un mois qui s'est écoulé. Donc merci d'autant plus d'être présent. Cette partie de jeu de rôle, l'anneau unique. Alors évidemment, c'est la suite d'aventures précédentes, mais vous inquiétez pas si vous découvrez, si vous assistez à la partie pour la première fois, peut-être, ça peut arriver, puisque dans le jeu lui-même, il y aura l'occasion d'avoir un résumé des épisodes précédents, puisque les personnages devront faire un rapport. Et quelque sorte. Et donc, je vous présente Presea, que vous connaissez, je l'espère, de sa fabuleuse chaîne Twitch qui ne cesse de gagner en popularité. J'ai l'impression que c'est fabuleux. Ah, gentil. Et c'est très chouette. Qui parle assez souvent, d'ailleurs, du monde du Seigneur des Anneaux, qui joue aux jeux vidéo, etc. etc. Je n'ai pas précisé, Presea dans le rôle d'Idril, avec Petulia dans le rôle d'Elanor. Petulia, que vous connaissez de Reflet d'Acier, de Noob. Et je vous envoie le. Si vous ne connaissez pas encore Reflet d'Acier, la saga audio, le jeu de société, les bandes dessinées, je vous envoie le lien dans le chat. La saison 2 est en cours, l'écriture. T'es drôlement bronzé, hein, Petulia. T'as vraiment bonne mine. C'est vrai, c'est incroyable. C'est impressionnant. Saleté. Mange ton pâté et tais-toi, Lucien. Putain. Et donc on est avec Jérôme alias Brand alias Baranor alias une des deux têtes de Lapin Marteau, la maison d'édition de jeux de rôle. Vous pouvez découvrir leurs incroyables livres de conseils pour être un encore meilleur joueur, un moins piètre maître de jeu, ou l'inverse, ou tout à la fois, ou encore acheter Château Falkenstein, leur dernier jeu publié. Bonjour tout le monde. Le lien vers le site de Lapin Marteau dans le chat. Et enfin, avec Lucien, que vous connaissez, j'imagine, de la Bonne Auberge, qui est en pleine renaissance, qui va arriver très prochainement. J'ai une petite exclue, si vous voulez. Ah bah vas-y. On a probablement trouvé notre local pour créer le studio 17. Ah, génial. Super. Bonne nouvelle. Ça coûte cher, l'immobilier dans Paris, c'est l'enfer. Mais on a sûrement trouvé. Donc vous allez pouvoir partir du garage alors. Semaine. Hein ? Vous allez pouvoir sortir de mon garage alors. Ouais. Et voilà, sinon je suis très content de rejouer. J'ai complètement oublié là où on était. J'ai vu qu'il y avait eu une bonne annonce qui était sortie sur nos aventures, mais je n'ai pas reconnu nos personnages. Et puis il me tarde de voir tout ce que tout ça va donner. Et je vais tout recracher. Vous n'avez même pas un seul anneau de pouvoir pour l'instant. Peut-être que vous allez en trouver, on ne sait jamais. Bah, si on avait un MJ qui soit un peu généreux, tu vois. C'est vrai. Pardon, mais j'en ai trois. T'en as plein, mais si on, je ne sais pas quel pouvoir ils ont. Ouais. Celui-là, il fait très elfe. C'est très Seigneur des Anneaux. Il faut dire qu'on se situe à une époque largement, très largement antérieure au deuxième âge. On n'est même pas encore au premier âge. Pour ceux qui sont là pour la première fois, on est encore dans ce qu'on appelle les années des arbres. Donc, pas de Celebrimbor, tout ça, en tout cas pas en Terre du Milieu. Justement, j'en profite pour réafficher vos incroyables portraits. Là, pour l'instant, c'est le groupe des Nandor, avec Elanor, dont le portrait était réalisé par Florence Torta. Comme ça, on l'aura rappelé au moins une fois. Et pour les autres, la plupart des portraits, c'est avec Artflow, un site internet dont vous avez le lien dans la description de chacune des vidéos de replay sur la chaîne YouTube Captain Jeu de Rôle. Eh oui. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons bientôt passer dans le vif de l'action et revenir à nos aventures et au roleplay. Et je pense qu'on va faire ça tout de suite. Je vais quand même vous afficher Ménélion parce que Ménélion. Parce qu'il y a poil Ménélion. Parce que sinon, il va pas être content. Sinon, tu peux mettre Daeron, hein, ça marche aussi. Et voilà Ménélion. Attends, mais quand on regarde bien Ménélion, il est quand même, je sais pas, est-ce qu'il est moins beau que Daeron? Je n'en sais rien. Je vous laisse juger. Il est beau. Il est bronzé. Beau et féroce. Ouais. C'est ça. Beau et féroce. Ça, c'est Daeron. Alors, beau, oui, féroce. Si, féroce. Si. Il est juste pas si solide qu'il pensait. Bah, entre les deux, hein, c'est difficile de choisir. Ah, Ménélion, quand même, un petit plus. Hein. Ah, le côté surfeur. Voilà, le côté surfeur. Très surfeur.
C'est ça. Donc, on va se relancer sérieusement dans l'histoire. Et avec une petite musique, évidemment. Vous vous remettez difficilement de vos... Vraiment vos émotions, le terme est celui-ci, notamment pour Menelion, qui est dans un état d'agitation, d'effarement quasiment, alors que vous avez été attaqué sous les étoiles, hein, puisque on rappelle qu'il n'y a que les étoiles qui éclairent à cette époque la Terre du Milieu. Sous les étoiles, alors que vous traversiez la plaine pour rejoindre le plus vite possible les forêts qui entourent Menegros, le palais du roi Elusingol, eh bien, vous avez été attaqué par une créature ailée qui est la forme d'une chauve-souris gigantesque qui, d'après Elanor, aurait été nommée par certains elfes Soaring Wethil et qui a été capable de prendre la forme d'une jeune femme, d'une femme elfe. Que Menelion a reconnu apparemment, qui serait issu de son passé, dont il n'avait jamais parlé auparavant. Et si vous hâtez de cette façon de traverser les plaines qui sont juste au nord du royaume de Elusingol, c'est parce que vous aviez été envoyé dans une mission de reconnaissance plus au nord, au-delà d'une petite chaîne montagneuse qui est au-delà encore, au plus au nord de ces plaines où vous êtes actuellement. Et vous aviez découvert l'impensable... une sorte d'araignée absolument gigantesque qui semble se diriger vers Menegros. D'autres plus petites mais géantes quand même araignées qui sont peut-être son engeance immonde. Et tout ça, tout ce qui vous avait mené à cette mission de reconnaissance, c'était un cri incroyable, terrifiant, qui avait retenti dans tout le Beleriand. Et donc c'est pour cela que vous étiez parti en reconnaissance aux côtés de Beleg Kousalion, qui est le grand capitaine des marches du royaume des Glador. Et donc le royaume des Glador, celui du roi Elusingol. Et donc là, vous repartez avec les quelques protecteurs, patrouilleurs des marches que Beleg vous avait octroyés, puisque vous étiez retrouvés à mi-chemin, on va dire. Et c'est avec beaucoup de peine et vraiment avec l'âme chargée de l'ombre qui vous a assailli à plusieurs reprises entre ces araignées, cette immense araignée, cette créature, Soaring Wethil. La plaine elle-même sur laquelle vous avancez a été, et vous l'avez senti dès que vous avez commencé à mettre les pieds dessus, elle a été attaquée, en partie corrompue par une présence malfaisante. Cette nature qui est si chère à vos cœurs elfiques porte déjà les stigmates de la présence de l'ombre. Et vous savez que vous devez faire vite pour porter la nouvelle à Menegros. Vous savez qu'il vous reste peu de jours de voyage, peut-être encore on est à une légère ellipse par rapport à la dernière fois. Vous avez déjà avancé, il vous reste, admettons que vous devriez être au bout de quelques heures arrivé à Menegros. Vous allez bientôt arriver en vue de la forêt qui l'entoure. Et je vous laisse, si vous le souhaitez, échanger quelques instants, sachant que je te précise quand même spécifiquement pour toi et Elanor que tu ressens une... Il y a plusieurs reprises, en fait, depuis cette attaque de Soaring Wethil, tu ressens une terrible oppression. Comme si un maléfice s'était abattu particulièrement sur toi. Et pour l'instant, tu t'en es pas vraiment ouverte aux autres, mais justement, alors que nous reprenons, vous vous rendez compte, Baranor, toi le premier, qui a toujours l'œil sur Elanor, qui est en train de perdre conscience. De tomber conscience, carrément ? Oui. Je suis la rattraper. Tu y parviens. Et Elanor ? Pour l'instant, elle reste dans l'inconscience, avec une pâleur inhabituelle. Je la pose le plus délicatement possible et j'appelle Menelion. Je cours au plus vite et j'examine tout de suite si elle a des blessures qui ont l'air particulièrement profondes ou graves. Tu ne trouves pas de traces de véritables blessures physiques sur elle. Tu te rends compte qu'elle a le souffle court et que son cœur bat rapidement. C'est pas du bonhomme d'araignée ? Ça ressemble pas aux symptômes qu'avaient Elanor et Menelion quand ils étaient inconscients du fait du poison du venin des araignées, non. Oui, pardon, je posais la question à Menelion. Pardon. Non, ça ne ressemble pas
aux manifestations du poison qui nous glaçait le sang, mais je prends un linge et j'y verse un petit peu d'eau fraîche de ma gourde et j'essaye de tamponner son front. Et je m'approche un petit peu d'elle. Et je murmure, enfin je parle vraiment pas fort, c'est, j'essaye de faire en sorte que ce soit pour elle et que personne d'autre m'entende. Et je dis, Eleanor, je t'en supplie, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes avec nous, il faut que tu reviennes avec moi. Je ne peux pas te voir partir dans mes bras. Tu reprends conscience, Eleanor, et tu sens une douleur assez vive dans ta poitrine, à peu près au niveau de ton cœur. C'est mon cœur qui... Il me torture, je ne sais. Ça élance, ça pince, ça quoi ? C'est comme un peu si tu recevais des coups de poignard. Oui. C'est comme des coups de poignard répétés. Essaye de reprendre son souffle et d'apaiser ton âme avant tout. Je te soulève un petit peu pour te redresser. Et je te dis, est-ce que tu te sens de marcher ? Je pense que je peux pas marcher. Très bien. En fait, je pense qu'il faut pas que je bouge pour l'instant. Donc je sais pas si ça empire pas, en fait. Idril, on a un problème. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Que se passe-t-il ? Est-ce que au cours du combat, je me souviens pas avoir vu Eleanor prendre un coup ou quoi que ce soit ? Ces symptômes sont très étranges. Et on n'est pas très loin de Ménégraphe et d'arriver. Il suffit juste peut-être... Ménélion, est-ce que tu te sens capable de la porter sur ton dos ou jusqu'à ce qu'on arrive ou pas ? Ou est-ce que vous voulez qu'on se pose quelques jours ? Enfin, quelques jours, en tout cas, un laps de temps nécessaire tous ensemble, le temps qu'Elanar se remette. Idril, capitaine, est-ce que je peux me permettre un mot avec toi en privé ? Oui, bien sûr. Je me tourne vers les autres, je refais un film des fêtes, ça ne sera pas long. Et on s'éloigne de quelques mètres. N'y vois aucune présomption de ma part, mais je pense que la blessure d'Eleanor n'a rien, absolument rien de physique. D'accord. Et que ce sont là plutôt des troubles de l'âme. Et... L'âme ? Oui, elle a vu le visage elfique que cette créature a pris, Thorin Wethil. Mm-hmm. Et c'était le visage de ma bien-aimée qui est défunte il y a de nombreuses années. Mais en quoi je... Eleanor ? Je dois reconnaître que je ressens des choses que je ne pensais jamais ressentir à nouveau à propos d'Eleanor, et je pense que les sentiments sont relativement mutuels. Je comprends. Je n'avais pas imaginé cet aspect-là. D'accord. Moi non plus, en vous rencontrant et vu sa fougue et sa jeunesse, je pense qu'elle ne s'attendait pas à ça non plus. Et du fait de sa fraîcheur, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, mm-hmm. Je pense qu'elle elle n'a pas encore subi assez de mélancolie dans sa jeune vie pour encaisser ce genre de blessure d'âme. Et tu vois que j'ai un voile sur le regard quand je suis en train de dire ça. Je perçois que j'y suis pas complètement étranger. Je concède que Eleanor est très très jeune et justement c'est bien pour ça que souvent je la prends sous mon aile avec Baranor. Mais il
y a quelque chose dont je n'ai vraiment pas de doute, c'est que elle arrivera à comprendre, et même si pour l'instant, et c'est totalement compréhensible, et comme tu l'as dit, c'est cette blessure de l'âme, c'est peut-être la première fois qu'elle le subit, et j'espère que ça sera peut-être même la dernière. Mais s'il faut, selon toi, qu'on doit se poser un petit peu pour lui permettre de réfléchir et que vous vous parliez, peut-être. Il n'y a aucun souci. On est à pas loin et il semble que le danger soit loin de nous, en tout cas. Et tout ce qu'on avait à faire d'urgent a été relié par Belleg. Donc, si tu considères que ce soit important qu'on se pose, n'hésite pas. Alors que tu prononces ces paroles, Idril, il y a un des patrouilleurs que Belleg vous a octroyé pour que vous ayez des hommes avec vous pour vous aider en cas d'affrontement. Et il s'agit justement de Emeline Dir, le patrouilleur qui t'avait parlé, Menelion, qui avait dit lui aussi avoir reconnu le visage de Feriel. Et il pointe la direction vers le nord, vers les montagnes, et vous voyez tous la forme gigantesque et arachnéenne que vous aviez vue plus tôt, qui est en train de se diriger, qui est en train de passer dans la plaine, à vrai dire. Elle se déplace assez rapidement et elle vient directement dans la direction de Menegros. A priori, cette information effectivement a déjà été apportée par Belleg, qui avait pris lui directement vers Menegros avant vous, mais par contre, Belleg n'est pas au courant de l'apparition des trois pics dont vous avez été témoin quand vous étiez encore dans la passe. Et en voyant ça, je me tourne vers Idril. Oui. Je te dis, je crains que nous n'ayons pas le temps, mais comme tu l'as suggéré, si vous voulez bien porter une partie de mon équipement, je prends sur moi de la transporter. Très bien. Avec Baranor, on récupère de ton équipement et... En effet, là, je n'avais pas conscience, mais il faut absolument qu'on se dépêche. Très bien. Là, je suis en train de déséquiper. Honnêtement, je déséquipe mon armure lourde et j'enlève tout, quoi, quasiment. Enfin, pas à poil Ménélian, mais je garde juste la tunique. Je me détourne. Rien de défensif, ce que tu nous passes. Quitte à le répartir entre plusieurs personnes si ça rend le trajet plus rapide. Quoi. Ouais. Et je me mets à genoux devant Eleanor qui est étendue au sol. Je te dis je vais te porter et considère ça comme une petite gratitude. Et qui ne correspond pas à l'intégralité de ce que je te dois dans mon cœur pour ce que tu as fait pour moi. Et accepte, je t'en prie. À quelle distance on est de Menegros à peu près en heure de marche? Vous devez en avoir pour 6 heures, quelque chose comme ça. Menelion, j'accepte ton aide. Mais j'espère que j'irai vite mieux et que je pourrai au moins ne serait-ce que clopiner à vos côtés. J'ai conscience que ma fierté personnelle doit passer après l'urgence de la situation compte tenu des dangers que notre peuple encourt. Aussi, je vais la mettre de côté pour cette fois. Tu as bien des années et des arbres devant toi pour prouver ta valeur, qui ne fera que grandir. Mais ne me fais pas tomber. Je tomberai avant que tu tombes. Vous reprenez la route de cette façon. Et je la prends sur l'épaule. Sac de patates. Sac à patates. Allez. Non, je la porte comme un sapeur-pompier là, comme dans les films. Et vous finissez par arriver en vue des forêts qui entourent Menegros, notamment la forêt de Naldores, qui est plutôt au nord-ouest. Vous la traversez sans encombre et vous arrivez au niveau du pont, bien sûr, qui, euh,
qui avait enjambé Les Galdouin, le fleuve qui est juste face au palais de Menegros, le palais des mille cavernes. Et vous ressentez enfin depuis bien des jours, si on peut le dire ainsi, sans qu'il y ait encore de soleil, depuis bien des jours, vous sentez encore enfin un léger sentiment de sécurité de rentrer chez vous, d'une certaine façon, notamment pour, d'autant plus pour Menelion, où c'est vraiment ton chez-toi depuis très longtemps. Et vous êtes accueilli, vous étiez attendu, toute évidence. Il y a même quelques patrouilleurs en plus qui sont venus vous rejoindre auparavant. Et Elanor t'a repris effectivement un peu d'énergie et tu as pu terminer à pied pour ne pas arriver en ayant un air trop affaibli. Tu ne penses pas que tu en es débarrassé, mais ce maléfice, tu ne sais pas exactement ce qui t'atteint, semble s'être atténué pour l'instant. Et peut-être à la proximité de Menegros. Et donc vous entrez, vous êtes très rapidement, on vous dit que vous êtes attendu pour un conseil restreint et qu'on attend de vous que vous ne parliez pas de ce que vous avez vu à tort et à travers. Et vous aurez peu de temps à attendre avant le conseil, de toute façon. Et Beleg, qui est un elfe assez direct, compétent, mais un mot pour chacun, va vérifier, vous demander si vous allez bien, si vous n'avez pas de blessures, qui demande des soins immédiats, ce genre de choses. Et dans l'ensemble, on peut dire que c'est davantage vos âmes qui ont souffert, vos corps ont bien récupéré. Beleg ne sait pas pour notre rencontre avec l'ombre ailée. Personne ne sait pour l'instant, même si vous imaginez que les patrouilleurs vont lui faire un rapport aussi, mais vous pouvez lui dire directement. Oui. Je pense que c'est bien de lui dire avant que le conseil restreint l'apprenne. Ouais. Bien, moi, vous nous avons de lui indiquer que cette ombre ailée a cherché comment atteindre Menegros et qu'elle a parlé de la reine. Oui. Très bien. Ben, vous lui dites, et je vais pas là vous faire jouer parce que justement, il va falloir que vous racontiez ça pour le conseil qu'on va jouer maintenant, mais effectivement, il est évidemment inquiet de ce que vous lui dites, il prend tout de suite des mesures pour ses patrouilleurs qui vont se coordonner avec les soldats de Mablung, le père de Menelion et le premier capitaine de l'armée de Menegros. Et ils vont doubler les sentinelles dans les environs, dans les hauteurs, etc. Et il faudra qu'on en reparle si vous souhaitez, ou si vous avez des idées, ou si vous souhaitez davantage monter la garde avec moi ou certains de mes hommes, et on en reparlera après le conseil, ou selon ce que le roi nous dira. Oui, je pense que il serait bon d'échanger avec vous et avec un peut-être spécialiste plus en magie, savoir comment est-ce qu'elle tient son pouvoir et comment elle l'exerce. Très bien. Nous ferons ainsi, eh bien. Vous attendez assez peu de temps, de toute évidence. Comme je vous l'ai dit, les dirigeants de la cité attendaient avec une certaine impatience votre retour et on vous mène via les magnifiques salles et couloirs de Menegros, non loin des appartements royaux, dans une petite salle de conseil qui les jouxte. Et vous entrez donc dans une salle merveilleusement décorée, d'autant plus à proximité dans les appartements royaux. Comme souvent Menegros, on a l'impression que c'est la nature qui s'est invitée au travers de tout ce qui a été taillé dans la roche. Il y a même parfois de véritables oiseaux, hein, vous le savez, qui se promènent dans Menegros, surtout du côté des quartiers de Lucienne, mais il y en a aussi quelques-uns par ici. Et vous arrivez dans cette salle et vous, à l'intérieur, bien sûr, il y a Elo Singol lui-même, toujours aussi grand, majestueux, d'une taille impressionnante. Vous remarquez tout de suite que Melian, la reine, est absente. Lucienne, la fille de Elo Singol et Melian, est présente également. Et Beleg est invité à rester, bien sûr. Et Mablung, ton père Menelion, est présent. Et enfin, Daeron, le ménestrel de la cour, et grand maître des savoirs, et également autour d'une table ovale finement ouvragée. Installez-vous, dit Elo Singol. Restez debout ou asseyez-vous. Il y a quelques rafraîchissements et de quoi manger. Il faut que j'entende rapidement ce que vous avez, à dire. S'il y a autre chose que l'immense créature dont Beleg m'a déjà fait part.
Oui, en effet, Hello Tingle, comme chacun d'entre nous pourront témoigner, le temps presse. Autre que la créature terrible que Beleg vous a déjà certainement, dont vous a déjà parlé, nous avons rencontré une autre créature au cours de notre retour vers Menegroff. Une créature, une sorcière qui cherche à soutirer des informations pour rentrer dans Menegroff même. Et je vous prie de m'en excuser. Elle m'a capturée et a essayé de me manipuler. Et tant bien que mal, j'ai essayé de lui donner le moins d'informations possible. Mais un charme m'a totalement embrumé l'esprit. Mais elle cherchait à rentrer et à avoir des informations, notamment sur votre reine, Méliane. La reine est entrée dans une sorte de méditation profonde depuis que le grand cri a retenti, mais j'espère qu'elle pourra nous rejoindre, si possible, durant cette réunion. C'est pendant une longue durée que vous êtes restée prisonnière de cette sorcière, cette créature ? Le temps s'est écoulé totalement différemment. Je n'arrive pas à me souvenir. Je me souviens que c'était difficile et incompréhensible. Elle paraissait si à la fois aimable et rassurante. J'avais envie de tout lui dire. Je ne pourrais pas vous répondre. Si je peux me permettre d'intervenir, la perception d'Hydril est embrumée par une magie très étrange et particulière et inconnue, à ma connaissance en tout cas. Mais il s'est agi de simplement quelques instants, quelques échanges, et rapidement, Hydril a retrouvé ses esprits et a su repousser les charmes magiques de cette Thorin Wessil. Et tant que j'ai la parole, je vais me permettre d'ajouter un élément que je trouve particulièrement troublant. En effet, cette créature, qui avait l'apparence d'une gigantesque chauve-souris, comme on peut en voir parfois dans les forêts aux alentours à la tombée de la nuit, mais vraiment dans des proportions titanesques, 4-5 mètres peut-être d'envergure, voire plus, avait la faculté de changer d'apparence, et elle n'a pas choisi n'importe quelle apparence. Elle a pris celle d'une elfe qui a vécu et que vous avez connue puisqu'elle faisait partie de votre noble cour. Et je l'ai connue très intimement puisqu'il s'agissait de Feriel. Là, Lucienne lève un doigt gracieux et dit à votre bon vouloir, père, et selon ce que tu souhaites faire, Menelion, nous pourrions peut-être en reparler en plus petit comité avec les gens dont tu souhaites la présence. Oui, bien sûr, mais je me devais de donner toutes les précisions possibles qui pourraient éventuellement vous... Enfin, tout le conseil. Tu fais bien, Menelion. Je n'ai pas oublié Feriel, bien sûr. Qu'avez-vous d'autre? Donc cette créature qui peut se changer de forme, vous l'avez capturée? Je suppose que non, mais comment? Elle n'a tué personne. Elle s'est... Comment ça s'est déroulé avec elle? Elle a commencé à me capturer alors que je ne m'y attendais pas. Mes chers partenaires et camarades, ainsi que les hommes de Beleg qui nous ont essayé par tous les moyens de me libérer. À deux reprises, elle a essayé de partir avec l'un d'entre nous. Mais elle a quand même réussi à s'enfuir. Nous avons plus rien. Très bien, elle a pris la fuite. Bon. Il faudra agir rapidement ce sujet. Beleg, répond par un hochement de tête. J'ai déjà donné quelques premières mesures rapides, mon roi, mais effectivement, j'en reparlerai avec Mablung tout à l'heure. Il y a un point que j'aimerais rajouter, si vous me l'autorisez. Ce sont les formalités. Parlez quand vous le jugez nécessaire, toutes et tous.
près de la forteresse, je crois que vous l'appelez Angband, la forteresse d'un... Oui, l'ancienne forteresse qui servait à l'ennemi il y a bien bien longtemps, oui. Mais, au niveau de cette forteresse, trois pics sont sortis de terre et se sont élevés. Nous les avons aperçus quand nous étions en train de courir sur les plaines de... nous avons revu cette araignée qui était aussi grosse qu'une ville passer au-dessus de nous. Juste avant que nous soyons attaqués par cette chauve-souris sorcière. Trois pics qui ont surgi près de Angband, c'est ce que vous dites, mais c'est... Exactement. Beleg n'avait pas ces informations. Parce que c'est arrivé après que nous l'ayons quitté. Oui, je comprends. C'est sans doute ce qu'il y a largement de plus préoccupant. Il se perd un peu dans ses pensées. Daeron prend la parole. Oui, si de tels pics sont apparus de terre aussi rapidement, je ne crains que cela ne puisse signifier que le retour de celui qui avait déjà érigé ses forteresses. Je ne pense pas que ceux qui sont à son service aient un tel pouvoir. Pardonnez-nous, mais nous ne venons pas de cette région, nous ne connaissons pas forcément... comment est-ce que cet ennemi dont vous parlez a été vaincu la première fois ? Ce n'était pas du tout... n'était pas du tout de notre fait. Et justement sur cette phrase, la porte s'ouvre et Méliane fait son entrée. Vous lisez une forme de tristesse qu'elle ne cherche pas vraiment à cacher sur son visage qui est clair habituellement d'une lueur un peu d'un autre monde. Et elle vous regarde, son regard se pose sur chacun d'entre vous. Elle va se mettre à côté de son époux qui va lui murmurer quelques mots à l'oreille, sans doute un peu quelques résumés de ce qu'il vient d'apprendre. Ça se fait assez rapidement. Et vous voyez que sur le visage de Méliane, la détermination vient remplacer peu à peu la mélancolie que vous pouviez lire quelques instants auparavant. On peut même peut-être un bref instant lire un peu de colère dans le fond de ses yeux, et ceux qui le perçoivent parmi vous ne peuvent s'empêcher de frémir face à la colère de Méliane. Elle s'installe aux côtés de son époux, moins grande en taille bien sûr que lui, puisque Elusingol est particulièrement grand, mais au moins aussi présente et d'une aura extrêmement puissante. Mes amis, je dois vous porter une triste nouvelle qui... Je le sais bien, tout vous touchera différemment selon que votre histoire vous a porté ou non jusqu'au rivage d'Aman et au royaume bien, bien heureux de Valinor. Et elle regarde son époux notamment. Elle vous parcourt une fois de plus. Et peut-être que son regard se reste un tout petit peu plus longtemps sur Elanor. Les arbres... Pardon ? Je disais, je m'assois. D'accord. Les arbres, Telperion, l'Argenté, l'Auréline, la Dorée, ne sont plus. Par un infâme stratagème, celui qu'on nommait Melkor, un Vala déchu, qui avait déjà causé la destruction d'Almaren, et auquel on avait accordé une chance de rédemption, a amené la ruine des sources de lumière du Valinor, d'Orodin dans la langue Sindarin. Ce que vous apportez au sujet de ces pics, ce que vous avez dit, Baranor, au sujet de ces pics volcaniques surgis dans le Nord, confirme un bien mauvais pressentiment qui me taraudait depuis quelque temps. Melkor, qui a un autre nom, a été donné maintenant loin d'ici, est de retour en Terre du Milieu. Autant jadis, sa principale forteresse était Udun, que d'autres appellent Utumno. Elle est plus loin à l'est, enfin, ce qu'il en reste. Mais c'est un Angband qui a été tenu, et peut-être encore récemment, je le crains, par son plus grand serviteur, Sauron.
Je crois qu'il s'est établi de nouveau à Angband d'après ce que vous nous rapportez en cet instant funeste. Et je dois dire que ce conseil restreint vise à ne éviter que la panique ne se répande partout en Ménégros. Je crois que tous les êtres de Terre du Milieu sont désormais dans le plus grand des périls. Quant à cette créature que vous avez décrite de forme arachnéenne, elle approche bel et bien de Ménégros, mon cher époux, mais Mabloun commence à s'agiter un peu. Méliane lève la main. Nul d'entre vous n'ira la défier. Nul d'entre vous n'ira au-devant d'elle. Car sa malice et sa force sont trop grandes. Et je ne permettrai pas que d'autres de nos gens subissent ces ignobles appétits. De Ungoliant, je m'occuperai en personne. Et cela s'accomplira très prochainement. Pour cela, je me tiendrai sur les hauteurs des terrasses secrètes de Ménégros. Et j'empêcherai la créature d'approcher. Peut-être que certains pourraient m'accompagner. Elle a l'air de sombrer un peu dans ses pensées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réagir. Les autres sont un peu tétanisés. Hello Single tente de poser une main qui se veut rassurante sur, en quelque sorte, mais si elle n'a pas forcément besoin, sur les l'épaule de sa compagne Méliane. Et Mabloung murmure quelques mots à Beleg. J'étais assise et je me lève, je me précipite et je me mets aux genoux de la reine en lui disant « Je viendrai, ma reine, si vous avez besoin d'un quelconque soutien, si je ne peux même vous aider, ne serait-ce qu'une seconde, je serai là. » Elle te regarde, tu as l'impression, encore une fois, pas d'une façon agressive, mais qu'elle voit au fond de ton âme, qu'elle recherche un très bref instant, une seconde, quelque chose, et elle sourit un peu. Oui, tu viendras, et toi aussi, Idril, tu viendras. Ma reine, quand la créature ailée a enlevé Idril, elle posait des questions sur les terrasses étoilées, justement, et sur Ungoliant. Et peut-être savait-elle que vous alliez devoir la combattre depuis là, et peut-être est-ce un piège ? Peut-être attaquera-t-elle en même temps, je ne sais. Je ne suis pas sûr de savoir ce qu'est cette créature que vous appelez Soaring Wessel, mais je crois qu'elle doit craindre Ungoliant. Mais je vous laisse juge sur les mesures à prendre pour veiller sur les hauteurs, les terrasses, les quelques terrasses secrètes et découvertes de Ménégros. Il y en a très peu, mais je ne pense pas qu'elle sera en mesure de me voir. Je veillerai à rester caché. Et à vous protéger, bien sûr, Idril et Elanor. Il m'accompagnerait. Je baisse les yeux à ce moment-là. Seul compte la défaite d'Ungoliant. Nos vices ne sont rien par rapport à la protection du peuple en entier. Si je devais échouer, tout le monde mourra ici à Ménégros, quoi qu'il en soit. On en fera en sorte que vous n'échouez pas. J'ai pas bien compris ce qui est arrivé à nos cousins de Valinor. Il en reste ? Oui, c'est du fait de ma nature et de la méditation que j'ai menée, j'ai perçu que la lumière des arbres avait cessé à cause d'un stratagème mené par Melkor, et peut-être qu'il a été aidé par cette créature qui approche d'ici. Mais comment est-ce possible ? C'est une catastrophe, j'ai déjà entendu parler de ce Melkor. C'était presque une légende. Comment est-ce possible? Comment peut-il être actuellement en Beleriand? Je pensais que... Je ne comprends pas. Depuis la création des temps, il est une voix dissonante et la source de bien des mots, certains diraient de tous les mots. Et il est le maître de la glace et des flammes et de bien pire. L'origine des engeances les plus immondes qui ont souillé ces terres. Et il avait été capturé, comme je l'ai dit tout à l'heure, une chance de rédemption lui a été offerte, mais il l'a saisi pour faire le mal à nouveau, et son
son ambition suprême a toujours été de tyranniser les autres êtres vivants et les revenus ici en Terre du Milieu, car il suppose, et il a peut-être raison, que les Valar ne viendront plus cette fois. Mais on est... Enfin, je perds tout espoir. On ne peut pas battre cette... Il ne faut pas, et j'aurais besoin de votre espoir dans votre cœur, Idril, comme dans celui d'Elanor. C'est pour ça que je vous ai choisi toutes deux pour m'accompagner. Et pas seulement. Mais nous pourrons résister et nous résisterons. Oui, excusez-moi, ma reine. Excusez-moi, j'ai un temps faibli. Nous faiblirons presque tous face à cette menace, hein, un temps ou un autre. Edelion ? Mm-hmm. Oui. Je pense que nous serons plus utiles à leur côté ou ailleurs dans la ville. Nous n'avons pas été choisis et notre présence n'est pas requise par Méliane. Donc j'ai un regard vers mon père. Je regarde vers elle. Nous ferons comme notre capitaine juge que nous serons les plus efficaces et les plus utiles. Méliane voit ton regard, Baranor, et dit « Ça n'a rien à voir avec votre valeur, Baranor ou Ménélion, c'est mon choix à d'autres critères. » J'entends ce que dit Ménélion et je m'approche de lui, je mets ma main sur son bras et je lui dis « J'ai une mission pour vous spécifiquement, Ménélion, si vous voulez bien. » « Bien sûr. » « Pourriez-vous dire au père de l'Essémir que nous savons désormais qui a pris la vie de sa fille, puisque il paraît évident que c'est la créature ailée qui l'avait enlevée et qui a certainement tenté de soutirer des informations comme à Idril. » Très bien. Je passerai le message. Bien, nous avons des mesures rapides à prendre, enchaîne le roi. Je vous laisse, outre ce message, Baranor et Ménélion, voir avec Beleg et Mabloung, même si... laissez-nous quelques instants. En fait, ils vous congédient tous, enfin, Idril et Elanor. Méliane vous fait un signe pour la suivre. Et Baranor et Ménélion, on vous demande de sortir. Et le roi reste quelques instants de plus avec Beleg et Mabloung, pour ces deux capitaines, pour leur donner des instructions. Très bien. Alors que vous sortez, Baranor et Ménélion, Lucienne et Daeron sortent en même temps que vous. Et Lucienne vous dit quelques mots, enfin, notamment pour toi, Ménélion, mais Baranor, tu es bien sûr présent. J'espère que tu me pardonneras mon intervention. Je voulais un peu protéger ce qui, je sais, est un peu un triste jardin secret pour toi, Ménélion, et je sais que mon père me fait confiance et que s'il y a des choses importantes qui ressortiraient de tes confidences, je lui en ferai part, bien sûr, mais peut-être que tu pourrais reparler de ton histoire en plus petit comité. Je n'ai pas de doute que cela intéressera tes compagnons, en tout cas si tu souhaites qu'ils soient présents, peut-être un peu mieux connaître et savoir pourquoi tu as réagi comme tu as pu réagir face à ces ensorcellements. Bien sûr, princesse, ne vous en faites pas, je ne prends aucun ombrage, je ne vais pas vous excuser, je m'en remets totalement à votre sagesse. Et je suis disposé à parler de cet amer sujet devant qui vous semble bon. Je m'en remets à votre jugement. Le plus sage, c'est d'attendre de savoir si nous survivons aux quelques temps qui vont suivre, je crois. Bien sûr. Excusez-moi, Lucienne, mais... J'ai bien entendu ce qu'a dit la reine sur le fait que Ménélion et moi ne soyons pas mandés pour ce qu'elles ont à faire, mais elles vont sans doute être attaquées. Est-ce que vous savez l'endroit où on peut se rendre pour être le plus utile ? Il est hors de question de les laisser toutes seules.
Oh, ma là, mère a... Ma mère a... ne semble pas craindre de pouvoir être vue par cette créature, mais je pense qu'il faut toujours être plus prudent. Vous avez raison. Après tout, elle ne sait pas tout et peut-être que cette Touring Wetil est plus dangereuse qu'elle ne pourrait le supposer. Je n'ai aucun doute sur la capacité de Beleg à... C'est vrai qu'il avait déjà organisé les patrouilles, mais pour vous, de quelle façon pourrait être la plus dangereuse cette créature ? Je regarde Ménélium en haussant les épaules du ciel, peut-être ? Physiquement du ciel, mais je pense que là où réside sa vraie puissance, c'est dans les manipulations de l'esprit et dans, dans les charmes impies et ce genre de discipline. Mais la nature même de Melian et sa toute puissance me rassure grandement et je pense que elle a su surmonter par le passé des menaces comparables. C'est pas pour elle que j'ai peur. Si je comprends. Oui, si elle peut faire usage de magie et venir par les cieux, peut-être. On pourrait tenter peut-être de lui tendre une sorte de piège pour l'attirer loin de la terrasse où ma mère devra faire usage de son pouvoir pour repousser cette araignée. Oui. Oui, ça paraît, être une bonne stratégie et je suis prêt et je n'ai aucun doute que de Branor aussi le soit à accompagner qui que ce soit pour cette tâche. Parce que il y a bien un arbre particulier. Qu'est-ce que tu en penses d'Aeron, tu sais, celui auprès duquel j'ai dansé alors que tu avais fait cette magnifique composition? J'ai l'impression, oui, d'Aeron là, reprend, oui, je crois que d'une façon ou d'une autre, ta présence a enchanté cet arbre. Il n'est pas impossible qu'il puisse attirer une créature, et c'est un arbre particulièrement haut, il est spécial. Peut-être qu'en se postant dans ses plus hautes branches, il a même été aménagé, je crois, par certaines sentinelles, on pourrait... Il est très proche du palais, d'autant plus. C'est peut-être une méthode un peu cavalière, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de tisser un large et long filet pour l'empêcher de s'enfuir et de... Quoique elle peut changer de forme. Non, ne faites pas attention. On pourrait essayer. Et tout dépend du temps que nous avons vraiment avant que la tentative éventuelle ne se fasse de cette créature et que ma mère ne doive repousser l'autre, la plus dangereuse apparemment. Nous pouvons donner... Je peux donner quelques ordres pour plusieurs filets qui existent déjà soient assemblés entre eux. Reste après à l'utiliser correctement, c'est pas facile. Il y a quelque chose d'autre dont je ne sais pourquoi j'ai oublié de parler au conseil et cela peut avoir son importance. J'ai ramené tout au long de notre trajet, j'ai collecté des traces de cette ombre que j'ai trouvé sur le chemin et nous avons pu voir que des cours d'eau avaient été empoisonnés, que même la végétation changeait au contact de cette créature. Donc il est probable que si elle arrive ici, même si nous arrivons à la repousser, il y a bien d'autres conséquences. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui cela pourrait être utile de montrer ces objets que j'ai ramassés, ces essences, enfin, je ne sais pas. À moi, éventuellement, dit Dairon. Au sens littéral, je lui vide mon sac. très bien.
jette un œil un peu intéressé aux différentes fioles que tu lui présentes. Et... Je crois qu'il reste peu de temps, mais je vais emporter ça dans mon atelier, voir ce que je peux en tirer. Bon, eh bien, je crois que d'ici quelques heures, tout au plus, nous serons fixés sur notre avenir. Vous devriez en profiter pour vous reposer. Bien sûr. Oui, et Lucienne dit quand vous aurez suffisamment récupéré de votre difficile périple, eh bien, venez me trouver ou alors Deron ou. De toute façon, nous sommes fréquemment ensemble et si vous le souhaitez, nous vous indiquerons où se trouve cet arbre. Bien sûr. Sylvain, c'est juste de la connaissance de Ménélion vivant à Ménégroth depuis longtemps. Est-ce que j'ai conscience de... est-ce que Lucienne a des capacités magiques ou un équivalent ou quelque chose comme ça? Tu as déjà entendu, tu es assez bien placé puisque tu es l'élève de Daeron et il s'est déjà ouvert à toi sur le fait qu'il était convaincu qu'il y avait une forme de magie qui était contenue dans Lucienne de manière générale, surtout quand elle chante, quand elle danse, il est convaincu qu'elle sous-estime très largement la puissance dont elle est capable. D'accord. Et de manière plus générale sur... le jeu et comment les elfes perçoivent ça, on est conscient de que potentiellement il y a des charmes, on peut ensorceler quelqu'un, des enchantements, ce genre de choses. Est-ce qu'on est conscient de ça ou est-ce que c'est plus métaphysique? Il y a des objets qui deviennent. Vous êtes conscient que d'une certaine façon, ou ça va dépendre des termes qui pourront être mis sur ces phénomènes, mais que de toute façon dans les légendes que vous savez être pour la plupart vraies ou appuyées sur certaines vérités, les forces du mal anciennes sont clairement capables de magie maléfique de ce que tu décris, et que par ailleurs, de façon beaucoup plus positive bien sûr, des êtres comme Mélian et par extension comme Lucienne, sa fille, sont sans doute capables de magie, et même de la... Toi qui vis à Ménégroth depuis longtemps, qui a vu les nains venir finir la construction, livrer les armes, faire du commerce, même par Baranor, toi aussi qui a rencontré des nains, tu sais que pour eux, certaines choses que vous faites qui vous semblent pas anodines, mais bon, juste quelques efforts que vous pouvez faire de temps en temps, pour eux, ils appellent ça de la magie parfois. Donc, Bon, mais dans ce cas-là, je passe que par Daeron pour essayer d'aborder le sujet. Pendant ce temps-là, Idril et Elanor, Mélian se veut un peu rassurante. Thank you.